arrivé ici vers 12h30, après une grosse journée et une grosse nuit de vélo. Et le camping est désert. Il est 2h de l'après-midi. Il doit faire 38 degrés à l'ombre. Et là, pour économiser nos forces et surtout nos réserves à nous, on fait la sieste et on essaie d'attendre que la chaleur passe. À William Creek, où nous sommes arrivés la nuit dernière, vers minuit. Aujourd'hui, nous sommes une petite journée de repos, repos forcé, parce que nous sommes à court d'eau et il y a une chaleur incroyable. Après donc toute la journée à essayer de trouver un moyen pour obtenir de l'eau potable, et ben on a enfin réussi à dégoter de la part d'un local qui avait un puits sur notre route. On est vraiment content parce qu'on a évité d'acheter des bouteilles d'eau minérale, parce que c'était pour l'instant la seule option. C'est parti, on remballe et on espère avoir au moins 10 litres par personne pour pouvoir faire les 170 km pour rejoindre Cooper Pedy. Allez, c'est parti. Voilà l'endroit où on est censé récupérer de l'eau. La météo, ça sent mauvais. Le problème, c'est qu'ici, s'il pleut, on est coincé. On pourrait croire que ce serait une bénédiction dans le désert d'avoir de la pluie, mais c'est pas vrai. Ça va rendre la route totalement impraticable. Il faut qu'on se dépêche. On ne regrette pas notre choix, il semblerait que l'orage va passer derrière nous. Rouler de nuit, c'est pas évident, surtout... Surtout, je sais pas si on voit, mais cette espèce de terre avec des cailloux et tout... C'est franchement pas évident, on est à combien aujourd'hui? 71 km quasiment. On va s'arrêter parce que là on est fatigué. Bon ben voilà, écoute, c'est pas tous les jours facile non plus. Donc là, je vais vous faire partager la soirée du gars fatigué quoi. Alors les petites lingettes de bébé pour des gros bébés. Voilà, donc on commence en général par le visage. C'est la règle. Et là tu récupères toute la poussière que t'as bouffé toute la journée quoi. Voilà, alors je sais pas si on voit la couleur mais elle a changé quoi. C'est un tour de magie. Hein ? Faut venir ici pour comprendre. Donc là c'est pâte au thon avec du sel quoi, la classique j'ai envie de dire. Non, c'est pas mal. Toujours aussi bon. Et là, le meilleur moment de la journée, en tout cas le meilleur moment de la soirée, c'est définitivement le moment où on va se coucher. Avec ses habits dans un petit sac là pour faire un oreiller confortable, la musique dans les oreilles. Bonne nuit les gars. Bonne nuit. Ouais. Dur le réveil. Puis il fait froid quand même. Hein. Il doit faire au moins 25 là. Bon, il reste 100 km, c'est de la piste. On voit pas trop encore, mais après ça devrait aller. Retour sur l'asphalte après 450 km de piste.
Alice Springs. Et là, on va sur internet. Alors, pour aller sur internet, on va dans un KFC. Et on rencontre la gérante du KFC, Jules, ici, présente. Et finalement, elle nous a invités à manger. Elle nous a proposé de nous amener dans sa voiture, visiter les environs. Voilà, elle est géniale, c'est incroyable. You can also go see the gaps as well. It's just amazing in this town. And most tourists don't see that at all. They just, you know, they come into town and they go, yep, there's nothing to see here. It's not as good. Just all the room, that's it. You know, nothing else. Oh, so we're pretty lucky. Yeah, you're very lucky. Yeah. On est arrivé à l'intersection sur l'Odnadatta Track. Alors celui qui arrive à le prononcer, il m'expliquera comment on fait. Odnadatta. Oulalala, oulalala. Donc. Odnadatta. Et ben voilà, putain, vient de là la musique. Ah ben c'est la fatigue, hein, écoute. On est fatigué, je crois là. Je pense qu'on va aller se coucher alors pour la peine. Hein. Il y en a qui ont besoin de sommeil.